Ok. Ouais, bah tu vois, là c'est même mieux comme ça. Hein? Ouais, bah écoute, je sais pas, moi je m'en prends pas tant que ça d'eau. Hein. Ouais, peut-être. Après, tu vois, regarde le là. Peut-être que ça fait quelques temps aussi que. Ouais, tu vois le truc. Ouais. Alors pas trop parce que là il y avait. Je vais arrêter la caméra pour finir. On peut peut-être aller voir au fond de côté là-bas. Tu vois, il doit y avoir un pont. Non, je ne sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois si c'est fermé là-bas ou pas? C'est bon. Non mais sinon si moi je fais un truc pour. Ah bah c'était mon cas tout à l'heure. Pourquoi pas? J'aurais bien jeté un coup d'œil. Parce que la route, elle passe quoi? Elle passe là, tu vois, donc il doit y avoir un pont, non? Par contre, ça serait bien que tu pagailles parce que. Pardon. On va direct sur une bouée par contre. Attends, j'arrête 30 secondes, je fais une photo. Ok. Là, il n'y a pas beaucoup de fond, tu vois. J'ai fait 7 km, je pense qu'on a presque fait une borne. En 2h23, tu vois.
jeter un coup d'œil en face. Attends. Colère. Et fait. Ça fait pas loin de 3 heures qu'on rame. On a fait plein de tests, plein de réglages, plein de trucs. On va faire on est à 9,5 km, sauf qu'on avait déjà fait au moins 500 mètres quand j'ai pas fait, donc on aura fait facilement 10 km avec les réglages, nos deux pauses, et surtout on a le vent de face, donc on n'avance pas les masses. Et ça fait du clapot. Et tout à l'heure ça tournait un peu dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, ça nous ira bien. Demain, on verra en fonction des conditions. Mais le temps tient ses promesses, c'est-à-dire une poêle comme il faut. En fait, c'est vrai que c'est plutôt bien, hein, actuellement. Tu vois, ramer dans des conditions pareilles, comme ça, il fait pas trop chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a quelques requins à droite et à gauche. Bâbord pour gauche, droite pour tribord. Tribord. Droite, bâbord, gauche. Après le kayak il maintient son truc, mais il y a un requin à droite. Une grosse requine. Ah bah, ce qui est clair, c'est qu'avec un régime de tisane en minimisant l'alcool et compagnie, je vais avoir les pectoraux qui seront mieux que celui de mon collègue Luc. Luc, 40 ans, gros bisous. C'est bon, je peux continuer tout ça. Moi j'ai des abdos à récupérer, mon amour. Je les ai perdus, je les récupère. Ouais, je vais les gagner, mes abdos. Ça a du sens.
faut payer à droite. Voilà, parfait. Tout c'est bon. Bah, il faut essayer de se mettre le éclaireur en face de face, mais. C'est dans le ras-le-bol, je le fais, hein. T'inquiète. Sans moi, il faudrait que je me muscle. Ah, purée. Je pense qu'il faut essayer de longer à droite. Je sais pas ce que tu en penses. On va essayer de longer la côte à tribord. Ouais. Parce que là, il y a du creux, hein. Regarde, t'as vu? Ça fait bien des creux de quoi? 20-30 cm facile, non? Et des moments. Finalement, on se débrouille pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses? Cœur. Hein? Avant. T'en penses plus rien? Avant. Ça s'accélère. Ouais, bah il est temps qu'on s'arrête. Hein. Oui, bah tu sais, tu voulais aller plus loin là-bas au bout. Oh bah ça va, arrête de râler. Ouais, avance. Mais arrête de râler. Fais pas son tour. Bon, info, j'aime pas les creux. Je peux plus moi aussi, avec le vent. Là il y a du surf, regarde les vagues. T'as vu? Là j'aime pas trop. Parce que là c'est un peu les conditions en mer. Mais finalement les temps de tôt, je suis content de pas le faire. Non mais on devrait avoir moins de vent sur le comment ça s'appelle, sur le Rhône.